Voilà, on est dans le bus, donc on est arrivé donc, avec un petit la sortie de Toronto, on a fait un dernier arrêt, heureusement, parce qu'en fait j'avais oublié l'ordinateur portable dans le taxi. Donc il nous a rattrapé et rejoint l'arrêt juste avant de partir pour Winnipeg. Heureusement, sinon ça aurait été une bonne. Le mec c'était un Uber et pas un mec parce qu'on avait son numéro et on a pu l'appeler et il a tracé jusqu'à la station pour l'avoir. Ensuite on a des prises dans le bus donc on va pouvoir regarder les prises, c'est cool. Bon bah c'est parti pour toi de route, le bus est blindé, il y a plein de monde. Il y a aussi des mecs super sympas qui laissent leur portable sur sonnerie qui ont des messages toutes les deux secondes. Ça va être bien ça. Voilà. Je vous en dis plus dans quelques heures. On en pourra prendre. East Thunder Bay, Winnipeg, Giant, Calgary, Edmonton, Vancouver. All points west of Sudbury. It's the same coach 881. Exactement. Pour l'instant, ça se passe bien, hein, ça va. Pas trop de dépaysement pour l'instant, ça va. On est toujours en Ontario. Donc voilà. On a déjà dormi, donc c'est bien. Bon, les prises ne marchent plus. C'est bon, on va dormir maintenant du coup. Ouais, on peut pas faire grand chose, mais bon, c'est pas grave. Le bus n'est pas inconfortable, donc ça va. Et on a Yael a pris la place, la seule place où je peux étaler mes jambes, heureusement, parce que sinon c'était pas terrible. De toute façon, ouais, c'est cool. Et puis on s'est habillé en conséquence pour être à l'aise. Moi personnellement j'ai mis un petit outfit qui est très controversé dans le milieu de la mode. C'est-à-dire un leggings avec des hugs. Très très controversé mais les Canadiennes l'adoptent. Et moi aussi je l'adopte parce que comme ça je peux prendre des pauses dans le bus, je peux mettre des jambes comme ça, je peux dormir. Et Damien a mis son plus beau jogging pour l'occasion. Magnifique outfit of the day. Fait maison. On a fait maison par Sobeys. C'est ça. On est arrêté à Sudbury. On est toujours en Ontario et on sera en Ontario jusqu'à demain, jusqu'à 17h30. C'est grand. C'est genre vraiment la province la plus grande du monde. Et voilà, ça va. Dans le bus, il n'y a pas de lumière, donc du coup, on est vite endormi, donc c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. Parce que comme le soleil se couche à 5h30 maintenant, on a un peu l'impression qu'il est 3h du mat, alors qu'en fait, il est seulement 19h15, donc on a déjà notre deuxième repas du soir. Et notre deuxième sieste aussi. Notre deuxième sieste, on a déjà dormi deux fois, donc c'est cool, j'espère qu'on va bien dormir cette nuit aussi. Évidemment, on n'est pas super bien installé, mais bon, franchement, ça va. Et puis bah voilà, là, on doit attendre une fille dans la salle d'attente. On va aller faire un petit tour. Wouhou, Sudbury, on arrive pour une heure. Il est là-bas au loin, nous le voyons, le McDonald's. Ce n'est que le début d'une longue semaine de sandwich. Oh zut alors. Allez, let's go to the milkshake. Le milkshake nous appelle. Bon, ça y est, on est de retour dans le bus. On repart et on va dormir. C'est les pires.
Maintenant, ils viennent d'allumer de la musique country, ils sont en train de chanter chansons. On a 2 heures de retard et dehors on voit rien du tout. Il y a un brouillard de malade. Vous m'entendez pas, c'est normal, c'est comme ça depuis 5 heures. Et à côté de nous, c'est mignon, il y a des petits jeunes juste en mode. Il y a des petits jeunes qui se connaissaient pas avant le voyage et ils sont en train d'un petit peu tomber amoureux. Ils sont trop mignons. Et nous on est là, on est comme des darons en train de les regarder. Ils sont mignons les petits là. Ils écrivent des petits mots sur un pendu. On est toujours en Ontario quand même. C'est pas les paysages. Excusez-moi. Apparemment je n'ai pas la priorité de parole. Allez, je laisse parce que de toute façon on s'en fout. Sinon, on est au 4e arrêt, c'est ça ? 4e ? Je sais plus, je crois. Non, le 4e, non, mais déjà dans les fois où on descend, on est déjà descendu au moins 6 fois du bus. Je sais plus où on est... Le mec est perdu, quoi. On est quelque part, on n'est pas loin d'être sorti de l'Ontario. On est à Thunder Bay, mais on est loin dans l'Ontario, là. On est pas loin d'être sorti, enfin. Donc on va rentrer dans Manitoba. On voit pas trop les paysages, parce qu'il y a beaucoup de brouillard, on voit pas grand chose. Donc voilà. Mais bon, sinon voilà, on continue à avancer tout doucement. On continue à bien rigoler avec nos petits voisins. Bon, on est à chaque fois arrêté au milieu des zones commerciales, donc il faut qu'on trouve à manger. Et du coup, on se tâte. On se dirait bien que, étant donné qu'on déteste les gens qui sont derrière nous, on y prendrait bien une grosse pizza dégueulasse. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pizza coulante. Et on mettrait les boîtes sur leur siège. Non, franchement, là, je commence à arriver à un seuil de saturation. En plus, le pire, c'est qu'ils sont sympas. Ils sont juste... Il reste encore un jour à tout. C'est juste des beaux. Il reste un jour à tout. C'est juste des beaux qui crient et qui racontent leur vie. Et ils la racontent toute la nuit, quoi. C'est ça, le problème. Et ils crient, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. L'aventure continue. On marche au milieu de nulle part. Je suis trempée, c'est génial. Mes chaussures vont être dégueulasses pour retourner dans le bus. C'est pas grave, marche dessus. C'est pas grave, et on est toujours aussi bien. C'est moins cher. À la recherche du sandwich perdu, et là on n'est pas du tout dans le bon chemin, regarde. Il n'y a rien ici. Voilà le chemin. Non mais sérieux, oh là là. Non mais c'est l'aventure, hein. C'est vraiment... là c'est mieux qu'au Pékin. Non, je peux pas sauter au-dessus de ça. Une énorme flaque d'eau géante. On va faire le tour. Non mais David. Mais non, j'ai pas envie. Après je vais prendre le bus pendant encore 2 jours avec mes bottes dégueulasses. Putain, tu fais chier là. Le mec, non mais tu vas croire que... Il croit que je veux faire ça. Tu t'es pris dans le Koh-Lanta ou quoi là? Putain, ça va tourner, je vais me péter une cheville. Non. C'est pas du tout stable et j'ai pas... Non. Non, je vais tomber dedans et je viens de me changer là. Allez. Faut que tu gardes ton pied dessus et que tu me donnes la main. Vas-y. Faut que je saute là où t'es après. Je fais un pas et je saute. Oh là là. Ah, attention. Papa. Les aventuriers du dimanche. Allez, viens. On y va. On va être parti, on se barre avec toute notre vie. Mon sac à main, mes papiers. Mais quelle idée de laisser son sac à main dans la boîte. Oh ça va, je vous entends déjà. On est au Canada ici, on fait confiance à tout le monde.
Même au mec qui était encadré de 6 flics avant de monter dans le bus. Lui, on lui fait hyper confiance. Ça. Journal de bord. Nous attaquons la 26e heure de voyage. Franchement, le moral est revenu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a changé de voisin de derrière. Ils se sont barrés au fond du bus et là, on est bien, on est calme, on est tranquille, on est trop bien. Moi, je suis en train de me momifier là. Petit à petit, je prends la forme du siège. Ou alors, c'est le siège qui prend la forme de mon cul ou c'est mon cul qui prend la forme du siège. Bon, en tout cas, je commence à être bien. J'aime bien à trouver une position qui est sympa aussi. Le fameux faceplant. On est bien comme ça. Est-ce qu'il va y avoir la marque des coussins sur ton front c'est après? C'est bon pour le dos. Ouais, c'est bon pour le dos parce que là, on commence à avoir un peu mal au dos. En fait, il joue à Dragon Ball. Pas du tout en train de dormir. Il n'y en a rien à foutre. Et moi j'ai mes petits pieds dans l'allée. Même si le conducteur a dit qu'on n'avait pas le droit au body part. Voilà. Qui évidemment m'a fait bien rire. Comme une enfant que je suis. Les paysages sont pas très variés pour l'instant. Il y a toujours beaucoup de sapins. On voit pas grand chose parce que la vitre est crade. Les gens dorment. Ça se fait pas trop de les filmer quand ils dorment. Mais... Du coup, je suis en train de donner des petits surnoms à tout le monde dans le bus. Je vais m'attaquer à ça pendant les prochaines heures, vu que la plupart des gens ne changent pas et restent les mêmes. Devant moi, il y a les Tortues Ninja. En tout cas, moi, ça me fait bien rire. Allez. C'est la fin du deuxième jour. On embarque dans le dernier bus. Là, on a changé de bus. On avait le même bus depuis deux jours. Et on a changé. Du coup, les sièges sont carrément mieux. C'est comme...